que ça marche du coup? Allez, on y va. Bah, nous, c'est bon, on a le micro, faut juste me l'ouvrir. Test, test. Ah oui, ça y est. Je crois que ça marche maintenant. Attends. Bon, ben, on vous raconte, on sort. En fait, on range le câble. Voilà, ça marche. Dans ton truc, parce que. Ouais, c'est bon, on vous entend. Vous pouvez venir aussi. Ah, maintenant? L'équipe, vous pouvez venir aussi. On vient maintenant? Et j'ai envie de dire. Le public aussi, si vous voulez. Alors attendez, juste avant. On va s'organiser, les poulets, parce que je viens d'avoir une fausse bonne idée. On dirait qu'on est en colo. Alors les poulets, on va s'organiser. Pour la salle police, c'est à gauche. Pour le VTT demain avec Guillaume. Alors, tous les bon. Agents-pères, vous vous mettez à gauche, voilà. Tous les agents-pères à droite. Je vais vous traduire un truc. En gros, Guillaume ne peut pas vous faire venir. Il a voulu vous faire venir, mais on ne peut pas. Non, pas du tout. Ah, pardon. Je viens juste de me rendre compte du mec de sécu qui fait 2 mètres et qui m'a dit tu les emmènes pas n'importe comment, le public, ok? Avant l'émission. Et que moi, je suis en train de dire là, je suis tout feu, tout flamme. Donc, juste, on va suivre faut. Charles qui vous encadre, etc. Enfin, qui n'encadre rien du tout. Hein. Voilà. Et donc, vous allez le suivre en étant direct. C'est Guillaume Radio. Ça va, Charles. Vous allez suivre l'équipe, d'accord? L'équipe va nous rejoindre dans un instant. Okay, comme ça. Non, mais dans 30 secondes, comme ça au moins vous suivez. Moi je vais y aller au début. Guillaume, je te suis. Vas-y, suivez-nous. On y en va. Fait, on vous explique, là on est en train de monter les escaliers, c'est ailleurs. Ouais, voilà. On va à l'entrée d'énergie dans une maison gonflable. C'est n'importe quoi. On va commencer le live et à partir de là. C'est extraordinaire. Ah ouais, je l'avais vu au début du gonflage. À partir de là. C'est vraiment pas au mal. Au milieu du live. Ah, il y a une bougie et tout. Ah oui, bien. Alors je crois qu'il faut enlever les chaussures, c'est ça. Ça vous dérange pas, les mecs? Comme ça, on va. Un petit big up à Poly et Vente. Pareil pour les. Eh, les enfants, faudra enlever les chaussures. Voilà. Attends, je préfère. Attendez, ça va schlinguer les pieds. Je connais. Ça rappelle l'odeur. Tu sais, l'odeur des pieds, ça rappelle l'odeur des cours de PS. T'sais. Ah oui, c'est extra. Alors, voilà. Là, je suis sur un truc gonflable. Bon, vas-y, je monte avec toi. Dans 2 minutes. Hey, on va faire un live de Big Flo Oli. Je vais rajouter entre 5 et 15 enfants. Ok, ça saute bien. Ça saute bien. Et à la fin, faut que le live, ça saute n'importe quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les mecs? Ok, balance la prod. Vous entendez? Eh ben, vous pouvez envoyer l'instru. Gilles Leray de l'émission quand tu veux. Je vous laisse commencer et on va vous rejoindre avec les enfants. Big Flo et Oli, rendez-vous au Zénith. J'espère qu'il n'y aura pas d'enfants et de trucs gonflables. La vraie vie est dispo partout. Chope-le si t'es un vrai, sinon t'es un faux. Ça ok, yo. Je sens pas cette histoire. Alors, dis-moi que t'es resté avec elle. Uh-huh. Tu me disais, c'est la bonne et bordel, qu'elle est belle, on refaisait le monde sur le canapé de l'appart. Maintenant, je voudrais savoir où tu te caches sur la carte. Alors, on s'est promis de pas se lâcher. Alors, et je crois bien qu'on s'est raté. T'as changé de numéro ou t'avais pas envie de me parler quand je t'ai appelé? Les enfants n'en disent pas. Alors, est-ce que t'as fini tes études? Merde, t'avais plein de rêves, mais juste pas assez thunes. J'ai peur de tout ce que je voulais dire. Toi qui répondais présent quand on parlait d'avenir. Ouais, alors, tu sais, le tour de la terre. Tu sais, moi, mes valises ont encore. On est déconcentrés. Jamais tu ne reviens. Allez, les enfants! Faut pas qu'on voilà. Alors, t'es où? Allez, tu mens. C'est fou, j'y pense. Sur les chaque jour, je te vois partout. Ils disent que tu reviendras pas, que t'es malade, que t'es mort. Aïe. J'aimerais que tu sois là, juste pour leur donner tort. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens? Ils me poussent. Et ça en fait le live de Big. C'est vrai. Ça fait longtemps. Aïe. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai, ça fait longtemps que tu dis rien. J'ai cherché dans le quartier, mais non. J'ai fait le tour de la terre, mais non. J'ai demandé à ta mère, mais non. Pas de nouvelles, pousse. J'ai attendu tout l'été. Attention l'équipe, j'ai espéré tout l'hiver. Oh non. C'est comme tu le promets. Bonne nouvelle. Alors, t'es parti chercher ton Eldorado, tout le monde t'adore. On se kiffe à mort. Mon ramon, t'es peut-être un bon. Si c'est une de tes blagues, c'est la LE. Alors, commencez ailleurs. J'attends un SMS sur un pigeon voyageur. Il y a encore le table sur les bancs, visible et entier. Faut que tu vois comme la ville a changé. Ouais, alors. J'entends plus rien. J'attends, c'est plus qu'une histoire là, c'est une absence. Alors. Merci, les enfants. On part. Alors. Gilles, tu peux. Alors. Voilà, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort Big Flo Oli, qu'on fait le live le plus improbable du monde, avec des enfants et tout. Et c'était n'importe quoi. Donc le mec, il vient de me sauter dessus, il me fait, je peux prendre une photo? Ouais, avec plaisir. Dis-moi qu'est-ce que tu deviens. Là, tu peux me suivre. Direct. Merci à Poly Event qui nous a prêté le jeu-gonflable.net, voilà, au pluriel. Eh, hey, tu m'as sauté dessus, frère. Merci. Ah, oui. Putain. Mais ça, c'est original comme live. Non, c'est n'importe quoi. Il n'y a qu'avec Guillaume qu'on fait ça. Okay. Ils ont réussi à tenir jusqu'au bout. Ça allait. Franchement, c'était pas mal.